Elle avait la taille faite autour, les hanches pleines, et chassait le mal aux alentours de la Madeleine. À sa façon de me dire, mon rat, est-ce que je te tente? Je vis que j'avais affaire à une débutante. Laver le don, c'est vrai, j'en conviens, laver le génie. Mais sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie. Certes, on ne se fait pas putain comme on se fait nonne. C'est du moins ce qu'on prêche en latin à la Sorbonne. Me sentant rempli de pitié pour la donzelle, je lui enseignais de son métier les petites ficelles. Je lui enseignais le moyen de bientôt faire fortune en bougeant l'endroit où le dos ressemble à la lune. Car dans l'art de faire le trottoir, je le confesse, difficile est de bien savoir jouer des fesses. On ne tortille pas son popotin de la même manière pour un droguiste, un sacristain, un fonctionnaire. Rapidement instruite par mes bons offices, elle m'investit d'une part de ses bénéfices. On céda mutuellement, comme dit le poète. Elle était le corps naturellement, puis moi la tête. Un soir, à la suite de manœuvres douteuses, elle tomba victime d'une maladie honteuse. Lors en tout bien, toute amitié, en fille probe, elle me passa la moitié de ses microbes. Après des injections aiguës d'antiseptiques, j'abandonnais le métier de cocu systématique. Elle eut beau pousser les sanglots, brère à tue-tête, comme je n'étais qu'un salaud, je me fis honnête. Sitôt privé de ma tutelle, ma pauvre amie courut essuyer du bordel les infamies. Paraît qu'elle se vend même à des flics, quelle décadence. Y a plus de moralité publique dans notre France.